l'enjeu d'une scène nationale, c'est justement d'être dans une grande diversité, à la fois disciplinaire, mais vraiment d'ouvrir aussi des horizons extrêmement larges. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des lignes de force. Elle se dessine avec les artistes associés, ça permet d'avoir des vrais parcours de spectateurs. Donc on continue notre voyage avec Emmanuelle Vaudine, qui est chorégraphe, et Sonia Chiambretto, qui est autrice et metteuse en scène. Et puis, il y a d'autres lignes de force qui sont notamment l'envie vraiment de partager avec la jeunesse, dès le plus jeune âge, énormément de spectacles, mais aussi de films. Et puis, d'ouverture avec des ateliers de pratique artistique, des rencontres. Tout ça, ça se traduit par une programmation qui est assez foisonnante pour la jeunesse dans différentes esthétiques. Ça va être l'ouverture à l'international, parce que le spectacle, comme le cinéma, ça nous permet de voyager. Donc on va avoir des compagnies qui certaines viennent de très loin, et notamment la compagnie Tao Ye qui va être absolument sublime. On va avoir une soirée fado avec les chorégraphes Jonas Elander, on a les circassiens compagnie Circa d'Australie, ou Alexander Van Tournout également, un Belge qui sera là. Donc on a vraiment une ouverture sur le monde qui est extrêmement vaste. Voilà, donc la saison est lancée, on a très hâte, et donc à très bientôt.